visite en Nice, vous avez certainement dû vous faire surprendre par un coup de canon surgi de nulle part, tonnant midi sur le cadran. N'ayez crainte, c'est tout à fait normal, je vais tout vous expliquer. C'est une tradition vieille de 160 ans à Nice. Tous les jours de l'année à midi, un coup de canon est tiré pour vous rappeler qu'il est l'heure du déjeuner, ou de l'apéro pour certains. Pour les Niçois, ce son marque la pause. Les touristes, quant à eux, sursautent et se demandent ce qu'il se passe. Mais d'où vient cette tradition? Voici l'histoire la plus répandue. Nous sommes en 1860, peu de temps après le rattachement de Nice à la France. Sir Thomas Coventry, un lord anglais, avait décidé de s'installer dans le vieux Nice avec son épouse. Cette dernière, étant très bavarde, ne voyait pas le temps passer, jusqu'à en oublier de rentrer préparer le déjeuner, ce qui déplaisait fortement à monsieur. N'ayant pas envie de se préparer lui-même son repas, il eut une idée farfelue. Il obtient un accord de la mairie pour faire tirer un coup de canon le midi, rappelant ainsi à son épouse qu'il est l'heure de rentrer. Bien plus tard, à la demande de la population, le coup de canon de midi fut maintenu et c'est en 1885 qu'un arrêté institua le canon de midi. Maintenant, voici la véritable histoire que nous devons grâce aux recherches d'une historienne et docteur en études anglaises. Monsieur Coventry n'était pas lord, mais faisait tout de même partie de la petite noblesse anglaise. Il était venu vivre sur la Côte d'Azur avec son épouse. Tous les deux vivaient dans un hôtel. Monsieur Coventry était un homme passionné par le temps. Il fut surpris qu'à Nice, chaque habitant donne son heure, même les clochers sonnent à des heures différentes. Étant un homme précis, cela l'ennuyait profondément. Il trouva un moyen pour déterminer précisément midi. Il demanda donc au maire de la ville l'autorisation de tirer un coup de canon tous les jours à midi pile afin que la ville soit synchronisée. Ceci révélerait que l'histoire la plus connue des Niçois ne serait qu'une légende.